Babe? Hello? Yeah, I don't want nobody come down here. Don't come in here. Don't come in here. Stay upstairs. Because I'm doing something very important right now, so I don't want you guys to come in here. Okay? Stay quiet. Don't call me. Don't come in down. Let me finish what I'm supposed to do before you guys come in here. All right? All right, I love you. Stay upstairs and stay praying. Okay. When I'm gonna finish, I will call you guys. All right. Shalom, shalom, frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse ce matin. Que Dieu bénisse le monde entier. Que Dieu bénisse l'Amérique. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Que Dieu bénisse la France. Que Dieu bénisse le Canada. Que Dieu bénisse le Togo. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Que Dieu bénisse les Israéliens. Que Dieu bénisse le monde entier. Mes frères et sœurs, que Dieu nous bénisse tous, que Dieu nous garde. Excusez-moi, je viens de me réveiller. Mais je suis là rapidement pour faire cette vidéo-là, qui est très, 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 très urgente, très, très importante. Partagez-la. S'il vous plaît, véhiculez. Véhiculer, véhiculer cette vidéo. Je vous en prie. Il y a quelques, I don't know exactly, peut-être quelques semaines ou bientôt un mois, I really don't know exactly. Mais j'avais mis une vidéo sur YouTube dans laquelle je vous avais dit, je vous en prie, véhiculer cette vidéo-là. Et à partir de maintenant, toi qui ne priais pas, toi qui négligeais la prière, fléchis les genoux. Fléchis les genoux. Fléchis les genoux. Fléchis les genoux. Je te demande pardon. Fléchissons les genoux. Parce que vous vous rendez compte? Je vous avais dit que Dieu m'avait dit que le mois prochain, les chrétiens vont adorer Dieu. Ils vont adorer Dieu, ils vont louer Dieu comme ils ne l'avaient jamais fait. Vous vous rappelez de ça? Alléluia, merci Seigneur. Et il y a peut-être un ou deux jours de cela, je vous ai dit que l'Éternel m'avait dit de venir prier publiquement. Je négligeais la prière parce que je me disais que j'aille publiquement pour prier et que je reste dans la chambre ici. Prière, c'est prière. Donc, je vais rester dans la chambre ici pour prier. Dieu me dit, va pour prier publiquement. J'ai fait cette vidéo-là. Il y a, je crois, un jour, deux jours, quelque chose comme ça. Ce matin, Dieu vient de me dire, mes frères et sœurs, Dieu vient de me dire, oh Seigneur, il y a un président qui est mort. Mais je vais continuer dans la prière. S'il me dit de dire le nom, je vais dire le nom. Mais il faut qu'on se lève pour prier. Oh Seigneur, alléluia. Il faut qu'on prie. Il faut qu'on... Si tu n'avais jamais prié, 1 heure, 2 heures, 3 heures, en tout cas moi, c'est mon petit déjeuner. Maintenant, toi, mon frère, et toi, ma soeur, ne néglige rien. Rentre dans la prière. Si tu ne peux pas jeûner, Sarabaya. Koroyozika. Si tu ne peux pas jeûner, prie. Simplement. Si tu peux jeûner, rentre dans ton jeûne et prière. Toi, Américain, it's time to stand up, to pray. God the one we to pray. You
who live in America, God said, this oil and tanning oil is for him. It's not for human being. God wants we to stand up, to pray. It's very, very, very important for all of them. Toi, Français, Dieu dit de se lever pour prier. Que c'est très, très, très grave. Pour toi, Français. Dieu dit de se lever pour prier. Dieu vient de me dire ce matin. M'annoncer la mort de quelqu'un. Frères et sœurs. Donc, il me dit de faire taire son nom pour le moment. Je vais continuer de prier quand il va me dire, dis le nom, je vais dire le nom. Parce que je vous ai dit que Dieu est la vérité. Frères et sœurs, Dieu dit, je suis la vérité, je suis le chemin, et je suis la vie éternelle. Dieu est la vérité. C'est écrit dans Ésaïe 45, verset 23. Dieu, je vous ai dit qu'il avait dit qu'il faut qu'on se lève pour prier. Que c'est parce que il m'avait donné Jacques chapitre 4, 4 et il nous a appelé adultère que nous sommes tous. Que nous voulons le monde, nous aimons le monde. Que celui qui aime le monde, l'amour de Dieu n'est pas en lui. Mais avant de me donner ça, oh Saint Jésus Nazareth. Il m'avait donné 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 20, jusqu'à 21. Prenez ça pour lire. C'est bon, je vais parler rapidement, puis je vais quitter. Est-ce que je viens de me réveiller? J'ai beaucoup de choses à faire, s'il vous plaît. Dieu, et après ça, il m'avait donné Genèse, chapitre 11, verset 1 jusqu'à 9, pour dire que nous tous, nous sommes tous des frères et sœurs. Il m'avait montré la tour de Babel. Dieu veut qu'on se lève pour prier, qu'on se lève pour se repentir. Toi, musulman, Dieu dit qu'il faut qu'on se lève pour prier. Dieu t'aime. Dieu veut que tu te lèves pour prier. Ce qui se passe est très grave. Et que tout le monde, quand tout le monde va apprendre ça, oh Dieu, ça va secouer. Ça va secouer. Ça va secouer. Ça va secouer. Mais il faut qu'on se lève pour prier. Prie pour ton âme. Prie pour mon âme. Pendant que je vais prier pour ton âme. Kaziyara. Marayosi siba. Marayaza. Briyara kazotoro yoho iki. Rayabazontomo yukuzuku. Kaba yoseke. Prie pour ton âme. Prie pour mon âme. Prions nous tous. Lèvons-nous. Angouzi. Dieu vient de me dire, déclarer la mort de quelqu'un, la mort de son âme. Quand tu vas apprendre cela, que tu l'aimes ou que tu ne l'aimes pas, Dieu l'aime parce que c'est lui qui l'a créé. C'est son âme, c'est son âme, c'est son âme, c'est son âme, c'est son esprit qui l'a créé. Et vous savez que quand Dieu annonce, peut-être que la chose n'est même pas encore arrivée. Oh Seigneur. Quand je vous avais dit que Dieu m'avait annoncé la mort du premier président, pas premier président, premier ministre de la Côte d'Ivoire, je continue de prier, continue de prier. Nos frères et sœurs, ils n'ont pas choisi de donner dos à Dieu. Ils n'ont pas choisi de faire le mal. Mais ils sont animés par l'ennemi.
Et nous devons nous lever pour prier. Faut pas qu'on dise que celui-là, il avait tué mon frère. Il est mon ennemi. C'est l'ennemi qu'il a utilisé. Et Dieu dit de pardonner. Dieu dit, si tu pardonnes, je pardonnerai tous tes péchés. Mais si tu ne pardonnes pas, je ne pardonnerai point non plus. Ça est dans sa parole. Et sa parole qu'il a dit, il veille sur sa parole pour l'exécuter. Lèvons-nous pour prier. Dieu m'a montré, m'a dit ce matin, une autorité. Pardon, non. Si c'est, on dit une autorité ou bien une autorité. I don't care. But tu comprends ce que je suis en train de dire. Une grande personnalité. Un président est mort. Je ne vais même pas vous dire si c'est un ex ou bien si c'est un président ou bien si c'est un futur. Mais c'est très, très grave parce que Dieu ne m'a pas encore dit de dire le nom de la personne. Et moi, je vais me lever aussi pour prier. Alors, levons-nous et prions. C'est très important. C'est très important pour nos frères et sœurs. C'est très important pour nos parents qui sont dans les champs, dans les campements, dans les villages, partout en ville. Je vais me mettre à prier et je vais revenir. Mais levez-vous et priez. Vous qui passez tout votre temps à manger garba, à manger, à prendre le petit déjeuner, sans prier, vous passez tous vos dents à manger. Tant que vous ne mangez pas, vous n'êtes pas tranquille. Je vous demande pardon. Mais je suis en train de dire ça parce que c'est très grave. Levez-vous. You need to stand up to pray for your family. You need to stand up for pray. You need to stand up to pray for your house. We need, all of them need to stand up to pray for our countries. Pray for entire earth. It's very, very, very important. God wants we to stand up to pray. Même si tu ne priais pas, il est temps que tu te lèves to pray. Il est temps que tu te lèves pour prier. Véhiculez ça, je vous demande pardon. Véhiculez ce message-là. Je viens de me réveiller. Je n'avais pas prévu faire une vidéo. Je vous ai dit que tout ce que Dieu me dit, il me dit pas dire. C'est pour ça que je suis là. Priez. Stand up to pray. Priez. Ne dis pas que même je suis à l'étranger ou bien je suis ici. Ça se passe partout. Partout. Lèvons-nous pour prier. Lèvons-nous pour prier. Dieu dit de ne pas tuer. Vous comprenez? Ne dis même pas, je ne sais pas le nom de quelle personne qu'elle va dire après. Donc moi, il y a certaines personnes que je n'aime pas, donc je ne prie pas. Si tu ne pries pas, cela retournera contre toi. Tu ferais mieux de prier. Parce que Dieu m'a dit le nom de son esprit, son âme qu'il a créé. Une personnalité. Dieu dit qu'il est mort. Dieu peut dire qu'il est mort maintenant. Et il peut être encore en vie. Comme il m'avait dit que le premier ministre était mort, mais il est encore en vie. Et je suis en train de prier pour lui. Nous sommes en train de prier. Dieu ne veut pas la mort de son enfant. Dieu ne veut pas la mort. Et Dieu ne veut pas que tu souhaites la mort de ton prochain. Si tu souhaites la mort de ton prochain, ton nom est déjà écrit en enfer, dans le département des souhaits des morts des autres. Ton nom est écrit là-bas. Tu ferais mieux de te repentir. Personne ne peut combattre Dieu pour gagner. C'est Dieu qui combat. Il fait grâce à qui il veut. Il fait miséricorde à qui il veut. Il nous demande de nous repentir tous. Je m'arrête là. Je m'arrête là pour revenir ici. Dieu veut que je revienne pour dire le nom de la personne. But it's very important. Very,
very, very, very urgent message. You need to. Vous avez besoin de distribuer ce message-là. You need to stand up to pray. It's very important, God says. Moi, je ne fais pas politique. Je ne suis pas politicienne. Je dis que je suis l'Éternel des armées. Ce qu'il dit, je dis alléluia. Il dit, je n'aime pas ça. Je dis, mon père, je n'aime pas. Il dit, j'aime ça. Je dis, mon papa, j'aime ça. Mais je ne suis pas un être humain. Nous devons nous lever pour prier. Il est temps que nous nous levons pour prier. Il est temps que nous nous levons pour prier. Que la gloire de Dieu lui revienne. À bientôt. Bye bye. S'il veut, je reviens pour dire le nom de la personne. S'il me dit de continuer de prier, je continue de prier. Partagez. Ne dormez pas. Partagez. Pour que ceux qui veulent prier s'élèvent pour prier pour leurs âmes. Pour les âmes de leurs parents. Pour les âmes de leurs frères et sœurs. Parce que ce n'est pas pour une seule personne. Ce qui arrive, on vous dit c'est grave, c'est grave, c'est grave. Mais c'est encore plus que grave maintenant. Que la gloire de sa majesté, acquis de droit, le roi des rois, le seigneur des seigneurs, le mystère de la parole, le mystère de la connaissance, le mystère de toute créativité, le mystère de l'amour, de la réconciliation, de la vie éternelle, celui qui est, or qu'il n'y a point de Dieu, Seigneur Jésus-Christ Nazareth, le lion de la tribu de Juda, le feu dévorant. Il combat, mais il aime aussi. C'est lui, son nom est l'amour. Que toute sa gloire lui revienne. Le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Or qu'il n'y aura jamais, jamais de Dieu. Dieu vous aime, Dieu nous aime. Shalom, shalom.